Cette vidéo de Bit est sponsorisée par NordVPN. Aujourd'hui, c'est une spéciale banane 7. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup d'événements dans cette émission. Et on commence tout de suite par un truc fou que j'ai à te raconter, Thomas, depuis plusieurs semaines. Et je me retiens de te le dire. Un truc que j'ai envie de vous raconter à vous aussi. C'est quelque chose, je peux pas citer mes sources. Je peux pas dire qui m'a dit ça. D'accord. Mais cette source est interne à YouTube. D'accord. Est-ce que tu peux, Thomas, oui, enlever tes petits écouteurs et aller chercher le prix des 100 000 abonnés de ma chaîne YouTube? Oui. Est-ce que tu peux lire à qui est décerné ce prix? Donc, il est décerné à la bite de Davy. C'est écrit. Voilà. Déjà, Thomas, lorsque tu as découvert ce trophée, oui, tu as halluciné parce que tu penses que j'ai défiguré un trophée 100 000 abonnés YouTube. Oui, oui, je le pense toujours. Et sache que lorsque YouTube a découvert que ce trophée avait été imprimé et envoyé, ils ont beaucoup parlé. C'est vrai? Et des mesures ont été prises. C'est-à-dire que j'avais juré que si nous arrivions au million, ouais, d'abonnés, ce que je pense arrivera dans un mois ou deux, ouais, le prix serait décerné à la bite de Cyprien. Oui. Eh bien, nous ne pourrons pas, car notre cas a fait jurisprudence. Quoi ? Chez YouTube, et il est impossible d'écrire des gros mots maintenant sur son prix. Je suis dégoûté. Oh merde. Mais non. Si si. C'est incroyable. Et pourquoi on n'a pas plus de vues s'il se passe des choses comme ça, putain? On a cassé le game. On a cassé le game de YouTube. Je suis tellement fier. Mais pourquoi on n'a pas plus? On devrait déjà avoir un million. Tu sais pourquoi on n'a pas plus? Pourquoi? Générique puis Ariel. Bad News vous est présenté par l'association des parents d'élèves échangistes. Venez faire de nouvelles rencontres tout en vous préoccupant de l'avenir de vos bambins. Prochaines inscriptions en juin lors de la kermesse mélangiste. On n'est pas grand public. Non. Merci beaucoup Ariel, même si c'était extrêmement chelou et à la limite. Je crois que c'était à la limite aujourd'hui. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre. Bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Joyeux anniversaire à Papa, Axel, Leslie, Poulpe, François, Vanessa et Marion. J'ai l'impression que 70% des gens qui partagent ma vie sont nés en février. Bah, je rajoute Théodore, c'est mon meilleur pote. Ok, vraiment, il y a un truc, il faut faire 9 mois en arrière, faut voir quand les gens y niquent. Ouais. Et bah, justement, bonjour Thomas. Bonjour Davy. Ça tombe bien, puisqu'on est, on parle de bite, on parle de baise, de gens qui naissent. C'est une spéciale Saint-Valentin de la bite. Et on passe tout de suite à En Bref de Vivian. Le Monopoly, Thomas, il y a plein de Monopoly qui existent maintenant, sur plein de trucs différents. On peut avoir le Monopoly Walking Dead, le Monopoly Harry Potter, bientôt une spéciale Harry Potter d'ailleurs, le Monopoly Dragon Ball, etc. etc. Et puis chaque ville maintenant a quasiment son Monopoly. Oui. Et c'est le cas pour Bruxelles qui a son Monopoly. Sauf que, quel est un des symboles de Bruxelles? Bah, la frite. Ok. Un autre symbole de Bruxelles. Le Mac and Peace. Le Mac and Peace. Et qu'est-ce que c'est que le Mac and Peace? Bah, le Mac and Peace, c'est un petit bébé, enfin un truc qui pisse, une toute petite fontaine qui est ridicule. Une fois que t'es devant, tu fais... Ah, c'est petit. Je suis vraiment déçu. Oui. Et donc c'est un petit truc qui pisse dans un coin de rue. On voit sa bite. Oui, on voit sa bite, tout à fait. Et aux États-Unis, on veut pas de quand bite. Quand Monopoly Corporation a vu arriver la boîte avec la proposition d'un petit enfant qui pisse sur la boîte, ils ont fait... Non, non, ça vous l'enlevez, pas moyen. Alors après, les Belges ont fait, non mais attendez, c'est le petit Julien quand même, hein, c'est le symbole de la Belgique. Hein. Oui, non, il est à poil. Oui, mais bon, tout le monde le connaît, hein. Enfin, chez nous, il n'y a aucun problème. Bah, chez nous, il y a des problèmes. Donc non. Donc, ils ont forcé la Belgique à rajouter un slip avec le drapeau belge sur le Mac and Peace, sur la boîte du jeu. Voilà, donc il ne sera pas à poil. Du coup, il se pisse clairement dans le slob. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, on a une petite problématique, c'est d'avoir une petite tache. Et puis une bonne tache, parce qu'il pisse continuellement depuis des années. Hein. Et l'histoire ne dit pas que s'il est dans une piscine, s'il y a un rond rouge qui se met autour de lui parce qu'il a uriné, l'histoire ne le dit pas. Je rappelle que je serai en dédicace à Besançon le 15 février, à Cannes le 21 et 22 février pour le jeu de la petite mort, et à Japan Tour avec
toute l'équipe une case en moins. Quasiment, il y aura quasiment tous les gens qui ont fait des BD dans l'édition une case en moins. Donc Guédré, Poum. Ah putain, j'ai eu un... Mon cœur, il a fait poum poum. J'ai cru qu'il y avait tout une case en moins de l'époque. Ah bah non. Et là, j'étais en mode waouh. Ouais, 20 ans trop tard. En bref, de Pierre. La base aérienne américaine de Luke précise qu'ils n'ont pas fait exprès de dessiner un pénis dans le ciel. Ah oui, dis donc. Hein ? Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'en est un. Sans faire exprès, c'est chaud, hein. C'est vraiment le mec qui se dit « Ah, je vais faire un rond. Ah, je vais faire une grande boucle. Ah, je vais faire un rond. » Et du coup, ça fait une bite. Je vois bien les mecs en bas qui font « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait ce con, là ? Mais il est en train de dessiner une bite ! Mais pourquoi il fait ça ?» Et après, le mec a dit « Je voulais m'amuser. » Ils font « Mais t'es taré !» Vite, remonte faire une chatte. Là, en ce moment, les femmes sont pas très contentes. On parle pas d'elles. Ah, le clito. Abonnez-vous à cette chaîne, putain. Lâchez un pouce vers le haut. Donnez de l'argent sur Tipeee. Aidez-nous pour que cette émission continue à exister et qu'on puisse faire d'autres choses. Merci beaucoup. Et puis, j'ai lancé, comme Thomas d'ailleurs, on est tous les deux sur Twitch. Oui, c'est vrai. Donc toi, ton Twitch, c'est Thomas Combray, je crois. Thomas Combray. Moi, c'est Spider-Nain. Ouais, je sais, j'aurais dû mettre David Morier, c'est plus simple. Mais bon, Spider-Nain, comme un Spider-Man, mais pas man, nain. Voilà. Toi, tu parles beaucoup avec les gens. Oui. Moi, je dessine. On passe à En bref, de Robin. Robin ? Robin. En vrai, c'est de Robin, et aussi, je suis désolé Vivian, mais t'en envoies tellement que quand il y a d'autres gens qui envoient la même, des fois je le donne à d'autres. Voilà. Thomas, imagine que ta rue devant chez toi est constellée de trous. D'accord. Chaque fois que tu rentres en bagnole, tu t'es, ouais, y a des tu nids de niques poules. Tes pneus, t'as des nids de poules de partout. T'as contacté la mairie, maintes et maintes fois, ils ne font rien. Ah, les enfoirés. T'en as plein le cul. Oui. C'est ce qui est arrivé à un artiste belge qui s'appelle Vansky, W-A-N-S-K-Y. À ne pas confondre avec Banksy. Ouais, ouais, Banksy. Donc vraiment, je me demande si c'est pas fait exprès. Il a peint des pénis dans tous les trous de toute la rue. En 48 heures, la mairie avait rebouché tous les trous pour masquer les pénis. Non mais la bite, c'est le sauvetage du monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout nous ramène tout le temps à la bite. Comment sauver le monde, le climat avec une bite ? Bah ouais, non mais faut qu'on trouve, mais il y a un truc à faire, hein. Avec des tubs là, il y a moyen. Bref, en tout cas, on passe au journal d'Encul à secte de Rob. Anus. Bonjour à tous les ducs du trou, grosse crise au sein de Encul à secte cette semaine à cause de la mauvaise isolation thermique de notre bâtisse. L'ambiance est plus que tendue. En fait, c'est plutôt l'inverse, Thomas. En effet, la température des dortoirs étant très basse, cela rend les rapports entre les membres bien compliqués. Ambiance glaciale, alors. En effet, ayant perdu en dignité, beaucoup de nos fidèles se sont rétractés à l'idée de venir faire absoudre leurs péchés, comme chaque semaine. Une pensée émue pour tous nos membres en quête de repos. Mais rassurez-vous, un artisan a été contacté et viendra très prochainement, et pour notre plaisir à tous, combler tous ces trous avec ses outils. Anus. Merci beaucoup, Rob. En bref, de Mathieu, trouvé dans le journal 20 minutes. Alors, ça, c'est un Mexicain. Il a un rendez-vous avec une demoiselle, une charmante demoiselle. Et il a pas envie d'être en reste. Voilà. Donc du coup, il a 30 ans et il se dit, bon ben, faut pas qu'elle soit déçue, cette jeune fille. Donc ça serait pas mal que je me dégote un petit stimulant sexuel. Ah oui, type Viagra. Type Viagra. Sauf que, bon, je sais pas si c'est la campagne où il est, ou des trucs comme ça. Je sais pas s'il a pas de pharmacie, ou qu'il pense pas aller à la pharmacie, ou peut-être qu'il n'ose pas aller chez le médecin, tout ça. Il se démerde à se renseigner pour savoir si quelqu'un du coin pourrait lui fournir un stimulant sexuel. Et ça tombe bien, un vieux fermier de Veracruz. Et pendant ce temps-là, à Veracruz. Lui dit, est-ce que je fais un truc raciste ? Bon, allez, tente-le. Aïe, aïe, aïe ! Non, c'est pas ça. Olé! Je sais pas comment on fait l'accent mexicain. Hey, bandora! Hey, bandora! Aïe, aïe, aïe! Y'a pas été donné ce que tu veux! Y'a pas de problème! Je vais pas réussir. C'est raciste, quoi qu'il en soit! Quoi qu'il en soit, c'est raciste! Et donc, on va pas le faire. Et il lui dit, oui, moi j'ai un truc. Et il lui donne un truc. Un stimulant. Sauf que, il lui a donné un stimulant. Pour cheval, là! Pour taureau. Pour taureau, et voilà! Son érection a duré 3 jours. Désemparé au bout de 3 jours d'érection, il est allé à l'hôpital où il a été opéré en urgence pour le faire débander. Comment on t'opère ? On fait quoi ? On fait et t'as le sang qui coule et... Ils expliquent que la plupart des érections s'apaisent peu après l'orgasme.
Dans les rares cas où elle persiste au-delà de 4 heures, il s'agit d'une urgence médicale. Oh waouh! Faisait attention à vos quéquettes. Mais alors, du coup, la question qu'on se pose tous, c'est... Et alors, il l'a niqué? Eh bien, le El Confidential ne le dit pas. Ah merde! Thomas, oui, David. Tu savais que cette émission a été sponsorisée par NordVPN? Ah oui, c'est vrai, exact, tout à fait, oui. Est-ce que tu sais toujours ce qu'est NordVPN, Thomas? Bah c'est un truc pour que les youtubeurs gagnent de la thune. Oui, mais pas que. C'est un logiciel qui te donne un moyen de chiffrer tes données personnelles qui te permet de délocaliser ton IP dans un autre pays, un pays de ton choix, et éviter les blocages géographiques. Par exemple, en gros, si t'es fan de la série animée La Petite Mort, au hasard. Au hasard. Mais en gros, si tu es fan de cette série animée qui est vraiment top, vraiment bien, et qui est écrite par un chauve de talent qui fait à peu près 1m76 depuis pas longtemps, imagine que toi, t'habites pas en France. Parce qu'elle est dispo qu'en France, parce qu'elle est produite par France Télévisions. Eh oui, c'est les impôts français, donc les étrangers, ils peuvent bien les se faire enculer. C'est ça, alors les Belges et les Canadiens, ou tous les francophones, ils font « Oh, on est triste !» Eh ben... Les gars... Tu prends NordVPN. Bah ouais. Tu te délocalises à Annonay en Ardèche. Grâce à NordVPN. Annonay, plus grande ville d'Ardèche. Est-ce que t'as regardé s'il y avait un serveur à Annonay? Ah non, j'ai pas regardé. Sur NordVPN, il n'y a qu'un serveur par pays. Ce n'est pas la teuf de l'Ardèche. Alors calmez-vous. Plus grande ville d'Ardèche, 7 collines comme Rome. Oh. 18 000 habitants. Oh. Regarde. Oh non, cette vidéo YouTube est bloquée dans son pays d'origine par des marcheurs blancs. La reine du sud d'Annonay ne peut donc pas regarder ce film allemand très intelligent, ni comparer des prix de billets d'avion dans d'autres pays. Cersei, vous avez raison. Le blocage régional est coming. Le seul qui peut nous aider, c'est le roi du Nord. Jimmy, vous n'y pensez même pas. Jamais un Stark nous aidera à contourner le Firewall. Je suis là. Oh non, le roi du Nord. Oh non, le roi du Nord. N'ayez pas peur, Cersei. Moi, Jon Snow, roi du Nord VPN, je suis là pour vous aider à contourner le mur. Oh, ça marche, merci. Eh oui, ça marche. Pour une fois que ce n'est pas un de vos enfants qui passe par la fenêtre. Ah, l'Ardèche, c'est cutéreux. Si tu t'abonnes maintenant à NordVPN, on t'offre 70% de réduction pour 3 ans d'abonnement. Et en plus, offert un mois gratuit. Utilise le code promo DAVY, D-A-V-Y. Merci NordVPN. En bref, de Vivian. Nous sommes à Berlin, un Allemand de 45 ans, qui est adepte du bondage. Donc le bondage, on vous l'explique pas, vu que vous regardez Bad News, vous savez ce que c'est. Ou vu que vous regardez vraiment du porno, et c'est certain, ne nous mentez pas. Et du fétichisme, cet homme, donc Mika Stunt, c'est pas sa véritable identité. Ça a commencé lorsqu'il avait 25 ans. Et il s'est dit, et si je pouvais agrandir mon pénis? D'accord. Donc il a acheté une pompe servant à agrandir les pénis. Chose qui, habituellement, est un peu de l'arnaque. Hein. Et donc, du coup, lui, il utilise cette machine et prend plaisir à utiliser cette machine. Uh-huh. Et il se dit, mais comment aller plus loin? Comment faire pour que mon pénis prenne son envol, finalement? Et donc, il a commencé à se faire des injections salines à l'intérieur du pénis. Puis, il s'est dit que c'était peut-être dangereux, et il a arrêté. Eh, c'est bien d'avoir... Il y a un moment où il y a une réflexion de « Bah attends, mais c'est con ce que je fais !» Attends. Quelques années plus tard, il découvre l'existence des injections de silicone, connues sous le nom de pénoplastie. Alors, j'aime beaucoup le nom. Bah oui, c'est très chouette. T'es un pénoplaste, toi. Voilà. Sauf que ces injections, à l'époque, ne sont faisables qu'à Londres, et interdites en Allemagne. Petite vacances à Londres? Non. Du coup... Il trouve un étudiant en médecine qui accepte... De lui faire en soum-soum? De lui faire sous le manteau, enfin je sais pas s'ils avaient un manteau, mais voilà. Il lui fait des injections dans le pénis et dans le scrotum. Son pénis siliconé a atteint... La modique somme. De 22 cm pour 4 kg. Sa tub pèse 4 kg. Votre tête pèse 4 kg si jamais vous voulez une idée. C'est 4 briques de lait, hein. Son pénis fait 9 cm de large. Il a une vie tout à fait normale. Il sort avec ses amis, fait ses courses, comme tout le monde. Sauf que, pour pouvoir cacher son sexe, il a fabriqué une sacoche où il range son pénis. Voici l'image. On dirait une selle de vélo. Le mec, c'est un vélo, quoi. On peut s'asseoir sur sa bite et pédaler. Mais merde! 4 kg, 9 cm, 22 cm. En bref, de Vivian.
Quel c'est Bessler cherche des photos de pénis. Qu'est-ce que c'est qu'une dick pic, Thomas? Bah, c'est une photo de bite. Genre, tu te dragouilles avec une meuf, et vu que t'es logique dans ta drague, bah, tu te dis, bah, elle va sans doute adorer avoir une photo de ma bite, donc tu prends photo ta bite qui bande, soyez pas con, et tu l'envoies. Ce qui est une hyper bonne technique de drague, finalement, parce que c'est quand on voit ça, la meuf fait, oh, mais qu'est-ce qu'il est... Alors, waouh. Toi, t'es romantique, parce que souvent, il y a même pas de drague. Souvent, c'est, tiens, vas-y, et là, la meuf, elle fait, ah, d'accord. Okay, n'envoyez pas de dick pic. Putain, c'est... Eh ben, Kelsey Bressler est allé sur Internet et a dit sur Twitter « Envoyez-moi des dick pics, s'il vous plaît ». En fait, c'est une développeuse américaine qui en avait marre de recevoir des dick pics, qui s'est dit « Je vais fabriquer un filtre à dick pics ». Du coup, elle a créé un logiciel qui reconnaît les dick pics, qui reconnaît les dick pics et qui vire les mails. Mais pour être sûr que son logiciel marche, elle a besoin de recevoir toutes les sortes de dick pics possibles. Donc du coup, elle a fait un appel sur Twitter. Elle a dit « Envoyez-moi votre bite en érection, s'il vous plaît ». Chose demandée, chose faite. Il y en a, ils se font pas prier pour ça. Non, elle en a reçu plein. Et son logiciel a fonctionné. D'accord, trop bien. Sauf pour un pénis violet. Il y a quelqu'un qui avait mis des paillettes violettes sur son pénis et son filtre n'a pas reconnu cette couleur. C'est un oiseau exotique. C'est ça. Et c'est le seul pénis qui est passé. Donc l'algorithme est vraiment pas mauvais. Donc je lis un truc par rapport au dick pic. L'envoi de photos à caractère sexuel sans le consentement du destinataire constitue un acte de harcèlement sexuel. Eh oui. Selon une étude menée en 2017, 53% des femmes entre 18 et 29 ans ont déjà reçu une dick pic contre leur gré. Wow. Parce que parfois on peut Recevoir. Oui. Selon les travaux des chercheurs canadiens, l'envoi d'une telle photo serait caractéristique chez l'homme d'une personnalité présentant un degré élevé de narcissisme et de sexisme. Donc, je te parle de dick pic, Thomas. Ouais. Savais-tu que ça pouvait être un métier? De faire des dick pics? Ton métier, c'est de recevoir des dick pics. Et tu gagnes de l'argent. Bah franchement, ouais, ça peut l'air compliqué comme métier dit comme ça. Tu veux qu'on appelle une personne qui fait ce métier? Non, sérieusement. Allons-y. C'est vrai? On est dans Bad News. Oui. Bah écoute, pour une fois, j'ai vérifié mes sources. Nous appelons FMR. Allô? Allô? Bonjour, FMR? Oui, c'est ça. Salut, on est dans Bad News et je viens d'expliquer à Thomas que ton métier, c'était de... Enfin, entre autres, enfin tu expliqueras un peu mieux, de recevoir des dick pics et t'es payé pour ça, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas mon métier, c'est mon hobby. Ton hobby? On va dire. Ton hobbit même, on pourrait dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Pour les fans de Star Wars. Alors, Thomas est affairé. Il comprend pas ce qui se passe. Donc faudrait expliquer un petit peu. Comment tu gagnes un peu d'argent avec ce hobbit? Ça part du fait que je suis sur un site où je vends des vidéos et des articles X. Ok. Et en fait, dans le fil d'actualité de ce site, j'ai vu un jour que des filles proposaient de noter des dick pics. Ça s'appelle comment ce truc? En anglais c'est cock rating et cock en français c'est note ma queue. Note ma queue. Mais ça ressemble au site je monte ma bite.com. Je monte ma bite.com, mais là, là-bas les gens font juste des commentaires. Oui, ah, là, pas de notes. Là, c'est la plupart du temps c'est des jeunes filles qui notent des sexes en érection, c'est ça? Alors, moi je pars du repos jusqu'à l'érection. Ah! Il y a tout un éventail de possibilités. Attends, ça veut dire que quand quelqu'un te contacte, tu lui demandes combien de photos alors du coup? 5-10 photos et une vidéo. Donc du coup, il t'envoie sous tous les angles son zizi, son petit c'est oiseau, ça. En érection, pas en érection, et en train de s'en servir un petit peu. C'est ça. Oh. Je lui demande une vidéo où il est au repos et puis il se touche jusqu'à monter. Jusqu'à monter, très bien. Et donc après, qu'est-ce que tu fais avec ces photos? Alors du coup, je me filme, donc facecam. Ouais. Avec mon téléphone à la main, où à chaque fois je montre la photo. Ouais. Et je la note, quoi. Une critique ciné, mais de la bite. C'est ça, c'est une critique ciné de la bite. Alors attends, tu m'avais dit... une grille, en fait. Ah, tu t'es fait une grille, ok, vas-y. Avec différents aspects, donc on a la forme. Oui. La taille. Oui. L'épaisseur. C'est génial. La couleur, donc la différence de couleur entre la verge et le gland. Ah, entre violet, 4. Entretien. Ok. C'est l'épreuve. Ensuite, l'état de santé générale, parce qu'on sait qu'il y en a qui, des fois, ont des petites maladies. Mmh. Et oui. Et du coup, attends, c'est selon ce qu'ils prennent, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, je propose 3 formules, donc une formule honnête, où là, je vais dire honnête. Ce que je pense honnêtement, que ce soit gentil ou méchant. Oui.
une formule humiliante où ce sera uniquement des insultes. Ok. Et la formule élogieuse où là je vais devoir parfois mentir, dire que c'est une très belle bite alors que ça n'est pas une. Par exemple, est-ce que des gens qui auraient tendance à avoir un micro-pénis demanderaient la formule élogieuse plus souvent? Alors étonnamment non, la plupart du temps ils demandent humiliant. Ah ouais? Ouais. Ah bah du coup on apprend des choses. Ils se font humilier toute leur vie et du coup ils ont envie ça déclenche un fétichisme quoi. Ah ouais, ok. Ok, super. Et alors, et tu fais pas que les bites, hein? Je fais des fesses, je fais des éjaculations aussi. Tu notes les éjacs? C'est ça. Super. NordVPN, qui est dans cette bad news, vont être super contents. Ah, je suis en train de les utiliser actuellement, donc ils seront contents. Ah bah super. Alors, où te trouver, éphémère, par exemple, si le public de Bad News a envie de se faire noter leurs fesses, leurs seins ou leur sexe? Alors, je vais pas dire le nom du site directement, vu que c'est sur YouTube. Ouais. C'est Instagram éphémère, le tiré du 8, MV. Ok. Donc, sur Instagram, éphémère, éphémère, tiré du 8, MV, pour te trouver. Je vais faire un truc qui n'arrive jamais dans Bad News. Thomas, ouais. C'est une nouveauté dans Bad News. Je vais annoncer que cette émission n'est pas terminée, mais qu'elle se terminera la semaine prochaine. Cette spéciale Beat 7 est à suivre et va continuer la semaine prochaine. C'est incroyable ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer, si tu acceptes, hein, bien sûr, éphémère, une belle photo de ma bite. Je vais t'envoyer une photo de bite. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, pour l'émission de la semaine prochaine, la noter? Avec plaisir. Donc on aura une vidéo dans l'émission où tu notes. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer, je te l'envoie maintenant sur ton téléphone. Ok, je l'ai reçu. Tu veux quelle formule avec ça? Thomas, honnête. Honnête, ça peut être pas mal. Honnête, okay. Honnête, honnête. Voilà, okay. Merci beaucoup, éphémère. Cette émission est donc à suivre. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h45, pour une spéciale Banane 7, partie 2. Incroyable. Avec du cock rating à l'intérieur. Voilà. Merci Thomas. Abonnez-vous, donnez sur Tipeee. En tout cas, merci beaucoup éphémère. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir les gens. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer